Salut tout le monde, c'est Sosandré. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre espèce sur Dragon Quest. Alors du coup, on va parler du coup à Maxence. Ça va les gants? Mon petit doigt m'a dit que tu nous as fabriqué une espèce de super arme magique. Barbarine est toute excitée. Hein. Elle n'arrête pas de répéter qu'on va aller au lac de lave pour dégommer la magmasse. Alors Gaëtan, j'ai un truc à te demander avant qu'on parte. C'est pas un truc vraiment important, une question de vie ou de mort. J'aimerais bien que t'embellisses encore les bains. Oui, je sais, je me doute que c'est pas dans tes priorités avant de notre dernière bataille. Je vais t'expliquer. Si on doit se débarrasser de cette magmasse, va falloir qu'on travaille en équipe, hein, et pour souder une équipe, quoi de mieux que les bains. C'est pour ça que je veux que t'accroches quelque chose qui nous donnera la patate. Hein. Un truc qui nous donnera vraiment envie de tout casser. Quelque chose qu'on n'aura qu'à regarder pour nous filer la pêche. Hein. Alors, tandis quoi, Gaëtan? Tu crois que tu peux nous fabriquer quelque chose qui pourrait nous faire cet effet-là? Une enseigne de marteau de Ella. Ah bah pourquoi pas, hein. C'est vrai. Alors on va essayer d'embêter les bains. Alors déjà il faut l'enlever. Ah oui voilà, par contre ça sera pas. Comment on va l'enlever? Ah, je suis désolé, j'ai cassé les bains. Il y a un petit trou là. Bon, c'est pour faire échapper un peu l'air. Hein. Il va faire un peu chaud dans les bains. On doit suer, on va peut-être même peut-être enlever la toule haut, hein, tellement qu'il fait chaud dedans. Ouais, c'est un risque. Hein. C'est un risque qu'on peut prendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. Ah, ça va faire meilleur d'un coup. Bon. On rigole, mais il faut essayer de trouver ce qu'il faut fabriquer. Alors... Il avait dit qu'on fabriquait une enseigne, hein. On est bien d'accord. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, bah voilà, regardez. Et c'est bien ce qu'il me semblait, fallait enlever l'autre. Je le savais, je connais le jeu par cœur. Hein. Je savais qu'il fallait faire ça. Alors par contre, est-ce que... Ah non, ça prend plus de place qu'avant. Ouais, ça prend plus de place, mais ça tient. Et donc là, ah oui, 1000 points en plus. Hein. Ouais, c'est énorme, 1100 points, je crois que... Non. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Pas mal du tout. Hein. Waouh, les vins sont vraiment beaux. Hein. Cette enseigne va nous donner la pêche pour régler son compte à la magma. Hein. Merci Gaëtan. Quelle que soit la mission qu'on te confie, t'arrives toujours à mettre dans le mille. Pendant que j'y pense, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire pour te... Alors, pour te remercier. J'ai trouvé... tu l'avoues. Tu vas avoir droit à de... mes super puf-puf. Hein. Hey Gaëtan. Pourquoi tu fermes les yeux hein? C'est pas pour tout de suite. Ça sera ta récompense hein, quand t'auras battu le boss. Hein. Si l'idée hein, d'un super puf-puf hein, te file pas la pêche, hein, pour le combat final, c'est pas ce qu'il te faut. Hein. Mais bon, après, on verra. Ça prend avec des pincettes. Combat. Ah. Désolé, mais... J'ai une mauvaise nouvelle hein, pour toi, Gaëtan. On dirait que les monstres ont entendu parler de notre nouvelle arme. Ils arrivent pour tout raser. Hein. Notre plan qu'avant qu'on puisse régler son compte à leur chef. Hein. Ah, saleté de bestiole. Pourquoi il faut qu'ils arrivent maintenant encore un peu et on pouvait se débarrasser d'eux une fois pour toutes. Hein. En même temps, il faut que retarder l'inévitable maintenant. On a ces marteaux de Ella, ils font plus le poids. Tandis quoi Gaëtan, t'es prêt à te montrer à ces monstres qui est le chef, oui. Super,
On se débarrasse de la dernière fournée et on s'occupe de la magma ensuite. Compris? Bah moi ça me va très bien comme ça. Hein. Alors je vais passer par là-haut. Voilà, parfait. Alors est-ce qu'on peut... Ah ouais, ça va être très pratique là maintenant. Ah par contre, eux ils arrivent quand même pas sur le truc. Alors ils arrivent à... Je sais même pas comment ils font. Ah par contre, j'avais pas vu, il me manque là aussi. Ah oui, donc ils ont quand même pas mal quand même. Ah oui, parce qu'en fait, il arrive... Ah oui, parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il arrive à faire. Ah je sais, mais c'est bizarre, il arrive à passer de l'autre côté. D'accord, ok, ça fait de ça. Bon, ça va tellement être mieux de les tuer comme ça, là. Bon, c'est parfait. Pour le moment, c'est pas... Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais eux, ouais, ils arrivent à passer au-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment? Ben non, mais comment ils font pour passer? Bah, ça veut dire parce qu'ils passent notre défense comme ça, au calme. Enfin, eux, ils peuvent pas casser notre base, donc c'est pas grave. Hein. Eux, ils peuvent pas casser notre base. Ils risquent plus rien de rien casser, mais... Bon, ça va, il n'y a aucun ennemi qui risque de casser notre base, là. Allez, pourtant les autres combats, on va prendre du soin parce qu'on va mourir. Ah mince, attends, j'ai cassé mon arme ou quoi? Ah parce que j'ai oublié de quitter ça. Ah bah oui, non mais j'ai oublié de quitter ça. Ah la dernière fois j'ai oublié de mettre ça. Je sais plus si c'était aujourd'hui ou la dernière fois. C'est ça. C'est comme ça, hein. Comme j'ai dit, lui, il reste rien pour notre base. Hein. Ça va, en vrai. Donc quoi ça marche bien, hein, les carousels, mais ils arrivent quand même à passer. Oui, je crois, pas mal. Ah ouais, ouais, je sais pas comment c'est possible. Alors moi j'ai l'impression que quand le piège hein, est déclenché, si jamais tu vas vite, tu peux revenir. Hein. Ah ouais. Là, le piège est déclenché, et si jamais tu te dépêches, eh ben, tu peux comme repasser. Ah oui, donc c'est un piège qui est pas infaillible non plus, parce que tu peux quand même passer. Si j'arrive à déclencher le piège, et bah ben après, si tu vas vite, tu peux même repasser. Donc on va tromper. Bah c'est pareil comme technique quand même. Donc c'est pas mal sorti de ce combat. Mais il n'y a pas quelque chose qui t'a paru bizarre. Jusqu'alors, il n'y avait que les larbins de la Vagmas hein, qui nous attaquaient. Mais t'as vu, c'est moi, tant de place. Hein. C'est la première fois que je vois un brûle-gel à colle. Si je me gourre pas, je voudrais dire que la Magmas n'est pas seule. Elle a dû faire équipe avec le Glaglator qui règne sur Galelhalm. Il n'y a pas de temps à perdre. On doit régler son compte à la Magmas avant qu'elle s'organise mieux. À toi de jouer Gaëtan. Tu vas au lac de l'œuvre et tu t'occupes d'elle une bonne fois pour toutes. Hein. D'accord hein. Au fait, oublie pas d'emmener tes potes. Fais-moi signe quand t'es prêt à y aller. Alors j'ai pas besoin d'y aller avec plusieurs. Je connais le combat. Et
Et je sais que simplement d'y aller tout seul, ça fera largement le taf. Bon, ça doit être le golem qui a dû tout casser ça. Regardez la magma, ça. On y mettre avec la magma, hein. Dans un ordre d'idée, lui, ça fait zéro dégâts. Que je refabrique du soin. Il faut que je refabrique du soin parce que là, j'en ai plus. Carrément, je peux carrément même pas fabriquer du soin. Alors là, il n'y a pas de soin dans les environs.
Voilà, il y en a un peu. Il n'y a pas vraiment énormément de soins, mais je crois que dans le téléportail bleu, il me semble qu'il y a du soin. Bon, j'ai fabriqué deux bombes de soins, mais c'est pas énorme. Ok, bon bah tant pis. Ouais, on a gagné, on a ratatiné la magma. Et c'est grâce à toi, Gaëtan. Sans le marteau de Hell, on n'aurait pas pu y arriver. Mais il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi il fait toujours aussi sombre? Je croyais que le ciel allait s'éclaircir dès qu'on aurait zigouillé le chef des monstres. À moins qu'on lui ait pas vraiment réglé son monde. Dans ce cas, je vois pas ce qu'on peut faire. Dans toutes les notes que j'ai lues, il n'y avait rien de plus puissant que ce marteau. Le seul endroit où on peut trouver d'autres notes de Galien, c'est dans son ancien laboratoire. Et pourquoi il faut que ça soit là-bas? Désolé Gaëtan, j'étais encore perdu dans mes pensées. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je vais prendre un bon gros bain et réfléchir à notre prochain coup. Pas la peine de tourner autour du pot, Gaëtan. Je sais que la magma c'est pas morte. Après tout, il n'y avait pas de raison qu'une énorme main puisse régner sur Cole toute seule, si énorme soit-elle. Je suis sûr qu'au fond, Barbarine savait tout depuis le début. Elle veut juste oublier les blessures du passé. Elle a voulu se convaincre que tout serait fini. Le problème, c'est que ça fait que commencer la guerre contre les monstres, va-t-elle en empirant. C'est peut-être le moment d'essayer de prendre un peu de muscle. Allez, fais pas cette tête. Hein. J'ai dit ça pour rigoler ce coup-ci. Hein. Je voulais juste que tu te détendes. De toute façon, tu peux construire la base comme tu veux. À toi de rendre cette ville plus grande et plus mieux. Et entraîne-toi de devenir un meilleur bâtisseur. Pendant que tu y es. Au fait, je t'ai dessiné un petit plan, bien entendu. T'es pas obligé de le construire. Hein, si t'as pas envie, mais je suis sûr que ça te ferait plaisir au gars. Ah d'accord, il veut que je fabrique une vraie cuisine. Hein. Bon, en gros, c'est tout simplement de... Il veut que je fabrique une cuisine, quoi. Il veut que je fabrique ça. Alors ça, est-ce qu'on peut le mettre ici? Bah, j'ai envie de vous dire oui. Si on place le plan là, ça va juste nous empiéter tout ça. Mais je vois pas d'autre solution. Ou sinon, le bar, on le met ici. Sinon, on met le bar ici, genre là. Et donc la cuisine, elle se trouve là-bas. Et au lieu que la cuisine se trouve là-bas, on pourrait fabriquer la cuisine ici. Et ça ferait ça. Ah oui, mais alors bah non, parce que le problème c'est qu'ici il y a une porte. Hein. Ah oui, il y a une porte. Ah oui, il y a une porte. Alors attendez, est-ce que vu qu'il y a une porte, on peut pas le placer comme ça le plan? Ah. Ou sinon, le plan, il faudrait le placer comme ça. Et du coup, pour accéder à la cuisine, ça pourrait se faire. Ouais, ça serait un peu bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on la place là, la cuisine? Au même endroit que l'ancienne, c'est-à-dire là. Hmm,
Bah, vous me direz exactement où je la placerai, bon, on verra pour la prochaine fois. C'est juste qu'ici il y a de la place et puis j'aimerais bien maximiser un peu ma place, mais bon, on verra bien. Donc je vous donne rendez-vous. Eh bien, je vais vous dire quand on se retrouvera. On se retrouvera mercredi 15 novembre. C'était Souris sans trophée.